dites-moi pas le contraire, vous aimez ça? Mais oui, vous aimez ça, enfin. C'est connu. Puis même si vous aimez pas, je suis sûr que vous aimez ça. Vous aimez quoi? Bah, quand je vous enregistre un stream à point d'heure, il est à peine 3h17 du mat. Et que c'est une review d'émission? Oui, une review, pas une review. Une review. C'est le... Bah, je laissais tomber. Et du coup, bah, je suis tombé sur ce jeu. Parce que oui, je cherchais des trucs, je tournais des pages web, quoi. C'est ce qu'on fait tous quand l'ennui pointe. Et je suis tombé sur ce titre. Kinoko. Qui es-tu, Kinoko? Je vais vous lire la description hein, pendant qu'il s'installe. Aider l'esprit de la forêt, Kinoko, à dégager le monde de l'hiver pour rejoindre le printemps. Hein? On fait pas les malins, hein? Alors normalement, c'est un titre qui devrait nous faire du bien, puisque ça permet de prendre l'air. Et en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué... Non? Ouais, bon, on va pas s'étaler, d'accord. On y va. Ça, c'est moi, Kinoko, et je suis l'esprit de la forêt. Et je vais la protéger de l'hiver et lui faire atteindre le printemps. Alors qu'on commande, il n'y a rien pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ces mimus? Salut! Faire tomber la neige. Ok, je peux faire ça. C'est bien ce que j'ai compris. Non mais arrête. C'est un arbre, il sent rien. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Le jeu est parti en live. Il a décidé de tout casser. Bon, je crois que j'ai un problème avec le pad. Ça va être compliqué les amis. Pourquoi il me fait ça à moi ce jeu? J'étais arrivé innocemment dedans. Arrête de le frapper, il a pas mal, c'est un arbre. Ah, je suis désolé, vraiment, c'était pas supposé se passer comme ça. Ok, mais si je tape tout le temps, on va pas y arriver les gars. En plus, mon bonhomme se déplace très bizarrement maintenant. Oh, c'est horrible. On va faire un restart, les gars. C'est pas possible. Eh, Mimu. Tu me racontes une blague sur l'arbre? Mimu. Ok. Vous êtes sûr qu'il faut taper? On s'en va avant qu'il ait une autre envie de meurtre d'arbre. J'ai tapé, j'ai bon. Ok, t'es un peu con. J'y vais. Non, je te parle plus, c'est bon. Tu m'as saoulé. Lui, je sais ce qu'il veut, mais je sais pas comment le faire. Alors si, je peux peut-être sauter de là au-dessus. Mais mon personnage m'a pas l'air d'être un peu Lara Croft of Stylized, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, la va rappeler lui, ça doit faire... Oui, oui, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Tu sais quand je te tapais dessus sans raison. On y va. C'est dommage, j'ai pas une coupe. Ah, la touche pour courir, merci. Ouais. Ah ouais, je peux planter des trucs. Ok, merci. Il y en a encore un là. Yo!
Ça boum? Ouais, la neige, ça fait froid. Et je peux la ramasser pour... Pourquoi faire? Manque un morceau dans ta phrase là. J'ai pas trop capté ce qu'il m'a expliqué. On va y arriver. Ah, je fais revenir le printemps, je fais pousser des plantes, je suis trop un ouf. Et je peux ramasser ça, il m'a dit. D'accord, je débarrasse ce truc. On va y arriver petit à petit. Il y a plus que lui qui m'a dit, tu peux faire un truc là-dessus, mais... C'est maintenant. Sur deux. Ok, ah, ça c'est un gros, c'est un gros. Faut pas y casser ça. Ça s'ouvrira quand j'aurai fait tout ce que je devais faire. Donc il faut que je trouve un autre tas. Ça tombe bien. Heureusement que c'est blanc, hein. Non, non, aucun sous-entendu. Il y a des merdes sur la gestion du pad, c'est dommage. C'est pas moi qui tourne à droite, c'est le perso qui se retourne tout seul. En tout cas, je voulais du zen, je suis servi. Je suis servi, peu cher. Alors, je pense que ça a été sorti à l'occasion d'une game jam ou d'un concours comme ça. Où je pense que c'est un dev solo qui a dû monter le truc. Pour faire voir ce qu'il savait faire un petit peu. Et c'est vrai que, y a de l'idée, quoi. C'est pas dénué de sens. Oui, je pense qu'il faut vachement observer les alentours. Les alentours.
Salut, c'est Boum? T'es en vacances? Ok, donne-moi pas de tuyaux, hein, surtout. Ah, c'est plus ce que c'était les animaux. Toujours rien à me dire? T'as tes papiers sur toi au moins? Non, parce que je travaille pour Darmanin. Et ouais, le Darmanin feeling. Ça rehausse toutes les situations. Faudrait que vous arrêtiez la musique, les gars. On va se faire prendre pour des toughers, on va se faire tirer dessus, quoi. Il y a un autre passage là, je sais pas si je l'ai fait. Ouais, mais la taupe elle sert à rien, hein. Ça m'a déçu. J'irais presque revoir la taupe hein, si c'était que moi. Comment ça, il faut pas? Ok. Alors j'ai réussi à faire apparaître une map. Ouais. Marrant. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui, la bonne nouvelle. Faut quand même que je la dise à un moment ou à un autre. Un petit hérisson. Ah, ce jeu il est gratos. Salut le renard. Il y a plein de bestioles. Et donc ce jeu, vous le retrouverez sur Steam. Oula, oui, fatigue, 3h du matin. Sur Steam, je vous ai donné son nom, hein. Vous êtes grand. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs là quand même. T'as rien à me dire, toi? Mmh. Oh, c'est l'amour, câlin. On n'a pas le droit, tu sais, Covid, tout ça. On peut faire câlin, raton laveur? Non, bref. Et donc vous le retrouvez sur Steam gratos et vous pourrez l'essayer à votre tour. Et mieux que ça, je pense que vous pourrez le faire essayer à vos mômes, ça peut être sympa. Bon, j'ai pas trouvé de truc super intéressant, on va continuer. Je sais plus où était l'endroit où il fallait tourner. Bon, je pense que la boucle de musique, je lui laisse encore 3 minutes avant de me donner envie de tuer quelqu'un. Faut être tolérant. Qu'est-ce qui se passe? Ouais? Non, c'est pas moi, c'est Gandalf. Ouais, et il y a la map. Je sais. Et du coup, tu veux que j'aille au truc où il y a les points d'interrogation? Oh, peu cher. La 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 la. Bah, dis donc, t'es content, toi. Enfin, câlin? Non, Covid, tout ça? Bah, vous faites chier. Alors, cette démo ne doit pas casser des barres. De surcroît, je vais spoiler, elle est pas longue. Je pense qu'on aura fini dans. On devrait pas. On devrait avoir fini maintenant. Mais il y a un cadre idéal où tu l'utilises. Pour occuper des gosses, moi je dis. Ouais. Vous les lâchez là-dedans, vous leur dites pas comment ça marche. Et en plus vite que moi, ils l'auront fini, je pense. J'ai bien résumé le truc, je crois. C'est un petit jeu bien marrant
Et l'équipe pourrait revenir sans honte avec un jeu complet hein, sur cette base. On étoffe un petit peu le monde, on complique les énigmes, on met des mécaniques et une narration, et il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Donc Kinoko, vous le retrouvez sur Steam gratos, et bah, ça pourra occuper vos mômes un quart d'heure. Voilà. Je crois que j'ai tout résumé pour les fonctionnalités de ce jeu. Je m'en vais avec vous laisser les playlists. Et me coucher, c'est quoi, 4 heures? Bonne nuit. Ciao.